Coucou la famille, hello everyone, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire KFC. Today, we are going to do KFC. I know KFC. Many people are missing KFC when lockdown. Ok? Et voilà, j'ai mis mon poulet, citron. I'm going to leave it for 10 minutes before I wash it. And now I wash it. It's clean. Everything like you can know. So, I'm going to do simple marinade with this one. Je vais faire simple marinade, ça c'est garlic, vous voyez, ça c'est l'ail en 5. Je vais mariner ça un tout peu, c'est bon. Et aromate, si tu n'as pas aromate, là tu peux utiliser du sel. If you don't have aromate, you can use salt, ok? I'm gonna add a little bit of that too. And black pepper, poivre, noir, je vais mettre ça aussi. Je vais faire façon KFC là aussi. J'ai fait KFC, c'est ma deuxième fois de faire KFC, troisième fois de faire KFC. Mais la façon là aussi, c'est très délicieuse. J'ai mis ça sur mon story Instagram. Les gens étaient là, waouh, 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 waouh. So, j'ai décidé de vous faire ça. Et voilà, j'ai fini. Je vais bouillir ça un tout peu. C'est pour ça que j'ai dit la façon là, je ne vais pas griller cette chose. I'm going to boil it a little. C'est mon bisap qui cuit là à côté là. That's my biscuit. The biscuit is boiling. That side. So I'm going to boil this one a little bit. You see, I didn't put any water. Only the water of, how do you call, chicken. Je n'ai pas mis de l'eau, le jus de, du poulet seulement. Ça va cuire ici au moins juste 10 minutes, 15 minutes. C'est bon comme ça. Ok? 10 à 15 minutes et c'est bon, ok? Et voilà, après 5 minutes de cuisson, je vais tourner pour les côtés parce que je veux que le sang là sorte dedans. Je veux que le sang là sorte parce que moi, je veux pas griller après quand tu ouvres le poulet, il y a du sang. No, I don't want to see blood inside my meat. So I don't like blood. So I'm going to boil it so those blood can go away, ok? C'est pour cela que je bouillis comme ça. Et ça va être cuit encore un tout peu. Quand tu grilles comme ça, ça va être très bien. Et try this too, ok? Essayez la façon là aussi. KFC façon là, c'est très bon. Tu bouilles ton poulet d'abord avant de... Comment dire? Avant de mettre les ingrédients. Before you put KFC topic, ok? Et voilà, après 10 minutes de cuisson, vous voyez, le jus, j'ai même pas mis de l'eau, c'est le jus comme ça. Le jus du poulet qui est sorti comme ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de l'eau là. Donc, je vais retirer ici. C'est bon maintenant. Je vais retirer dans l'eau. That's just the water from chicken. But I don't need those ones. I don't need the stock. I don't need the stock. So, I'm going to take it out. And how do you call? Take everything out. Okay? And boil. That's it. Voilà, j'ai fini de retirer. Maintenant, je vais laisser se refroidir. I'm going to leave it cool down. So, look at all my ingredients are here. Bread crumb rolls, flour, salt to test, and egg. That's two egg. I need two egg. Deux œufs, la farine, flour, la chapelure, l'ail, garlic, black pepper, and milk. That's my ingredient I'm gonna use today. Okay, so now I'm gonna mix my dry ingredient here. Je vais mixer mes épices dry. Je vais mettre la chapelure ici. I'm gonna add my bread crumble in my flour. Like 2-3 spoons is fine. 2-3 spoons, okay, or 4 spoons. It depends of how many chicken you got. That's fine. And now I'm gonna add black pepper. Try this option to you. See, you will love it. That dry. Use dry garlic. Faut utiliser l'ail sec. Ok, en poudre comme ça sec. Et du sel. Je vais mettre du sel. Je vais mettre ça là-bas. Voilà, la quantité là, c'est bon. C'est bon comme ça. Amount of salt is okay. So I'm gonna add black pepper too. Je vais mettre du poivre aussi. Et après, je vais mélanger tout ça ensemble. Ok? C'est la façon là. C'est très, très délicieux. I'm telling you.
So delicious. And now I'm gonna mix it everything together. I'm taking my time. I got flour on my hand. Flour everywhere. Already. Voilà, j'ai mélangé. Je vais mettre ça à côté. Je vais mélanger mon œuf aussi avec du lait et les épices que j'ai utilisées pour la farine. La même chose. Je vais utiliser un tout peu de ça aussi sur les œufs parce que j'ai pas bien mariné mon poulet pour que ça soit bien doux là comme KFC. Hein? So if you are missing KFC, KFC yeah. Si KFC, if you are missing KFC. KFC, yeah. Si KFC te manque là, c'est là pour toi. Tu peux aller faire aussi dans ta cuisine. Ok? You don't need, I'm gonna add more crumble. I'm gonna add a little bit of crumble. Je vais mettre un tout peu de la chapelure. Parce que je veux que ça soit vraiment croussé. Et je rajoute encore du poivre. Parce que je veux rien rater. Ça. I don't want to miss anything. I just want to do just like KFC. You know, when I finish this one, my boss say, wow, mommy, we don't need to go to KFC. Quand j'ai fini ça, mes enfants me disent, maman, on ne veut plus aller à KFC. Il faut faire KFC à la maison. On ne veut plus aller à KFC. Et voilà, je mets du poivre ici. Comme la même chose, je fais la même chose que j'ai fait pour la farine. Je mets un peu de tout pour que le goût soit là. Je mets un tout peu de sel aussi. Comment dirais-je? Ça, c'est du lait. Je vais mettre du lait. La quantité là, c'est bon. Ça, c'est la quantité de 2 à 3 cuillerées. Et je mets un peu de l'ail. I'm gonna add garlic. That milk is like 3 to 4 tablespoons. So, I'm gonna mix together. Je vais mélanger ça très bien. OK? Voilà, c'est bon comme ça. C'est bien mélangé maintenant. Donc, on peut commencer maintenant. We can start now with my egg and mix my flour, everything. So I'm gonna put the chicken is cooled down very well. Le poulet s'est bien refroidi parce que ça doit être complètement refroidi. Et voilà, tu mets dans les œufs. Excusez-moi, ma main, mes doigts, c'est la farine quoi. C'est la farine qui a fait ça. J'ai pas mis le. Voilà, je tourne comme ça. Je vais faire comme ça jusqu'à ce que je vais finir. La même chose, tu tournes. Et tu remets encore pour que la farine attrape le poulet. Et je remets encore. Voilà. You do like that. You put one, two, one, two, one, two, one, two. Jusqu'à tu vois que tu as fini de faire tout, 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 tout. Et après, tu vas laisser se reposer. Quand tu seras prêt, tu laisses se reposer au moins 30 minutes, 20 minutes avant de griller. Et je vais faire la même chose. Je vous montre encore une fois. Pour une deuxième fois, I'm gonna show you the second time. You see, you do like that, and you take it from the chicken. You do the same thing until you are done. Ok, tu fais ça jusqu'à tu seras. Tu vois que tu as fini. Ok, faut bien être prêt. Tu tapes pour ne pas qu'il y a trop de farine sur là-dessus, et voilà, c'est comme ça. Donc, si tu n'es pas abonné, il faut t'abonner. If you are not subscribed yet, what are you waiting for to subscribe? Et voilà, j'ai fini. Je vais aller mettre ça au réfrigérateur. I'm going to leave it in the fridge to rest at least half an hour. Pour 30 minutes, je vais laisser dans le frigo. Et après, je vais griller. Et voilà, maintenant, il est temps de griller. J'ai mis mon lui. Vous voyez deux lui parce que l'autre, là, je vais griller les frites là-bas. Et ici, je vais faire le poulet. There's two pots. This one to fry my chicken and the other pot is to fry chips, but I'm not gonna show you guys that because everyone can fry chips at least easy. Tout le monde peut au moins faire les frites de pommes de terre, donc j'ai pas besoin de vous montrer ça. Voilà, l'huile doit être bien chaud. Your oil need to be hot, 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 hot. Et de chaque côté, tu laisses que jusqu'à tu vois que c'est bien doré. You leave it every side until it's golden brown color. And you see now. They enjoy this one, my boys. They say, Mommy, we don't need to go to KFC. And they are so proud of me. My boys are telling me they don't need to go to KFC because I know how to do it.
J'étais vraiment fière de moi quand mes enfants m'ont dit, maman, on n'a pas besoin de la KFC parce que tu peux faire. J'étais tellement fière de moi. Oh, so proud of myself. Oui, des fois, faut faire. Moi, en tout cas, je me débrouille ici à la maison. Hein. Je ne veux pas un restaurant chaque fois. J'aime voir ce que je mets dans mon ventre. Je veux connaître ce que je mets. I like to know what is going inside my stomach. So sometimes I prefer to cook. I'm not telling I'm not going to rest outside food, but it's not all the time like some people. Every time they are outside, you see? Hein? Regarde combien de fois ça c'est easy. I know it's a bit hard, but it's not hard as well. C'est pas difficile et c'est divisible. Voilà, donc je retire, je vais faire la même chose. C'est bien doré comme je voulais. Bien, bien doré. My KFC, hein? KFC, KFC, KFC. Nous sommes dans le confinement. Ça te manque là. Faut faire à la maison, regarde. Tu peux faire KFC, tu n'as pas besoin d'acheter. Donc je répète la même chose jusqu'à ce que je vais finir. Je vais répéter la même chose. Je mets un deuxième tour. Voilà. Et je fais la même chose quand je vois que c'est bien doré. Je peux venir maintenant. Hein? Merci à tous mes abonnés. Et troisième porte là, c'est pour curry sauce. Curry sauce, mes enfants, ils adorent ça. C'est maïzena et un peu de farine et curry powder. That's curry powder use and maïzena and flour. I'm going to add a little bit. I want to make curry sauce because they like it. When we go to KFC, there's curry sauce there, so they love it. So I say, okay, let me make homemade one. Donc mes enfants adorent curry sauce là. Donc c'est cela je fais ça. C'est un peu de beurre, la farine là, un peu de farine, un peu de maïzena et curry en poudre. Ils adorent avec KFC parce que même quand on va à KFC, ils veulent que j'achète ça aussi curry sauce là. Mais c'est très bon avec les KFC là. Vous voyez, donc je mets la farine, maïzena, le curry powder et de l'eau chaude. Je mets un tout peu et je whisk. I'm going to whisk that one so well pour que ça soit bien mou. To make it smoothly. Easy. That's curry sauce. Homemade curry sauce. Ils adorent avec KFC. Donc je faisais ça aussi. J'étais tellement occupée ce jour-là. Et je gênais encore, comme vous savez que c'est Ramadan là. Donc, je vais cuire ça à un feu doux. I'm going to cook this one medium heat. Oh, I need to check on my KFC. It's going to burn. Yeah, my hand is so full. Voilà, je vais tourner d'abord. J'ai mis ça sur feu doux, mon curry sauce là. Donc, je vais tourner mon KFC d'abord pour ne pas que ça brûle là. Vite, vite. Oh, wow, so lovely. Yummy, yummy, yummy in my tummy. You got KFC. So subscribe if you're not subscribed yet. Hein? Si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends avec tout ça là? Hein? Abonne-toi et partage les vidéos. Partagez et regardez les vidéos, surtout mes bananas milkshake. Hein? Vous ne regardez pas du tout les vidéos. Ok? Mes bananas milkshake. Make sure you watch the video. Ok? You know. Here all the time. I'm turning the camera again to see my. I'm gonna add a little bit. It's not cooked well, so I'm gonna add more hot water to cook and whisk. Parce que tu dois bien remuer pour ne pas qu'il y ait des boules dedans. Et voilà, c'est presque fini. 10 minutes seulement, c'est bon, hein? C'est très rapide. Et voilà, c'est presque fini comme ça. Donc je vais mettre ça à côté. Je retire parce qu'il était presque temps pour la rupture. It was time to iftar. I was rushing. That was our food that day because they make order to me. They ordered this food for me. Mommy, we want to have because they were fasting. So they wanted to have KFC for iftar. So, you know, it's last minute. You have to cook this one for last minute. Hot, hot, hot to eat. Donc, j'ai cuit ça à la dernière minute parce que mes enfants, ils ont commandé ça. Ils voulaient parce qu'ils gênaient. Ils voulaient ça pour le déjeuner, pour la rupture. Donc j'ai tout fait ça à la dernière minute. Donc j'étais là coucou 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 parce que en mangeant ça il faut être un tout peu chaud quoi.
Et voilà, ma sauce est finie. Je vais retirer aussi mon poulet. Et après, c'est fini. Le poulet est là. Oh! KFC! Homemade KFC! Homemade KFC! Voilà, my homemade KFC. Et je faisais les frites à côté, mais j'ai dit de vous montrer ça d'abord. Je vais voir. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui dans ma cuisine. Si tu as aimé, tu es pas là par hasard, n'oublie pas de t'abonner. Et merci à tous mes abonnés, les anciens. J'avais oublié de mettre light. Donc j'ai mis la lumière. Regardez comment c'est froid, c'est joli ça. Hein? Donc bisous à tout le monde. À très bientôt pour une autre vidéo. And thumbs up for me.